السلام عليكم فرد ليف بونجور تو الموندو اكسكوزي نو دي غتار كونا اكويزي في انديبوندون دو تو فولونتي نو سافون تري بيان كو فوني دو ديفيرس اوريزون اي تو سا اي بو نو اكومباني بو لا ريوسيت تو فير لا باك نو بريون تو كو لو بونجور بو دون تي ديبلوم سي بريفير دونك سي نو تنو ا اورغانيزي سلا C'est parce que on est soucieux, souciant, surtout de votre avenir, parce que nous sommes passés par là, nous aussi. C'est dans ce cadre que Mouri Ndiaye, DG général de Fidèle TV, et toute l'équipe qui tourne autour de ça, nous avons décidé d'organiser ce panel. Au début, c'était une émission qu'on avait programmée avec M. Val. Normalement, on devait aller à Tchadjaï, nous trouver là-bas. Pour faire une émission comme on l'a fait avec Moussa Ba. Et après, pour une position qu'il a dit, mais attends, pourquoi pas Afrifel et inviter tous les élèves. Et dans ce cadre qu'on l'a organisé, peut-être d'autres vont dire que nous sommes en train de faire de la politique. Mais ça fait que c'est ça exactement. Et si nous faisons de la politique pour une bonne cause, je vous dis que ça, c'est une très bonne politique. Donc, j'aimerais bien que tout le monde, nous tous, nous accordons sur cela. À part vous remercier, nous allons donner la parole à Moussa Ba. Voilà. Qui est un professeur au niveau de Tarteville. Avant ça, il a fait les études au niveau de Dormal. Effectivement. Qui est un grand frère, un ami, un encadreur. Il nous a tous encadrés. Donc nous savons qui il est. Qui il est. Donc et certains d'entre parmi vous ont assisté à cette genre de révision au niveau de Tchadja et l'année dernière. C'était pertinent et très bénéfique pour les élèves. Donc, merci à tout le monde. Ok. Voilà. Merci beaucoup, cher ami, cher frère. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher collègue, cher Janel, chers amis ici présents. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à Fissel Bada, que je connais bien. Pour la simple raison, depuis pratiquement plus de 5 ans, j'ai actué Eurus. Ici, si ce n'est pas pour conférence, c'est pour venir rendre visite à des amis, à des collègues, à des frères, donc avec qui j'ai beaucoup partagé dans ma vie. Donc, comme vient pratiquement de le dire, faire la politique pour la bonne cause, je pense que ce n'est pas mauvais. Alors, si regrouper les élèves, le temps d'une journée pour les mieux les armer, si c'est ça, ça signifie faire la politique. Donc, on fait la politique. Je pense que c'est bien quand même de préciser ça. Alors, je voudrais, au début de mes propos, rendre un vibrant hommage aux initiateurs de cette activité pédagogique, c'est-à-dire à l'équipe de Fissel TV, à la tête de laquelle se trouve M. Ndiaye, mais aussi M. Sila alias Iso. Donc c'est toujours bien, et ce n'est pas évident quand même, de regrouper le temps d'une matinée ou bien d'une soirée, les élèves, les enseignants, autour d'une salle pour parler pratiquement de l'histoire et de la géographie. Je pense que c'est important. Je voudrais aussi rappeler à l'endroit des élèves que si Fissel TV a fait appel à moi, c'est pour vous lancer un message, juste pour vous dire que le premier pas qui mène vers le savoir n'est rien d'autre que l'humilité et le sens du partage. Pascal, un des grands philosophes français du XVIIe siècle, disait, je le cite, « Dieu est sensible au cœur et non à la raison. Rabaisse-toi. Plus tu t'abaisses, plus tu t'approches de Dieu. Madame Dom Adama, l'œil que nous souffrons sur Bob, de Gunnetje Gessou Porom. Donc l'humilité fait partie des facteurs les plus essentiels dans la vie. C'est important. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je connais Fissel. Le lycée de Fissel et environ regorge de professeurs d'histoire et de géographie très talentueux. Moi j'en connais des profs qui sont très compétents et qui servent au niveau du lycée de Fissel Bada.
Donc, s'ils ont fait appel à moi, ce n'est pas parce que les compétences manquent ici, non. Les compétences sont bien à Bruxelles. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est juste pour partager, c'est pour innover, c'est pour échanger. Et c'est important, c'est important. J'en profite donc pour faire un clin d'œil à tous ces collègues-là qui servent au lycée, qui sont devenus des amis, des frères, n'est-ce pas? Je ne peux pas ne pas nommer M. Koulibaly, que je respecte beaucoup, et aussi M. Diouf et les autres collègues de la discipline. Alors je voudrais aussi préciser qu'il serait vraiment prétentieux de ma part de vouloir revenir le temps d'une matinée en profondeur sur l'essentiel du programme d'histoire et de géographie des classes terminales. Comme vous le savez, le programme d'AG est très volumineux. Il y a beaucoup de choses à voir. Même si la pandémie de la COVID-19 nous a imposé ce choix, on a constaté une réduction du programme. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de revenir sur l'essentiel, sur les points saillants. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous proposer un plan assez simple, un plan qui va s'articuler autour de trois parties. La première partie, nous allons revenir donc sur l'essentiel des éléments qu'il faudrait retenir, des éléments de base en histoire. La seconde partie, on fera la même chose pour la géographie. Et la troisième, si le temps nous le permet, nous finirons par des exercices d'application pour vous montrer exactement ce qu'il faudrait faire une fois à l'examen. Donc en histoire, au lieu de revenir sur les chapitres éparpillés ça et là, nous allons mettre l'accent sur des thèmes. Et vous savez bel et bien que le programme d'histoire de terminale est axé sur pratiquement deux ou trois thèmes. Le premier grand thème, c'est le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le second, c'est relatif au mouvement de la décolonisation. Et le troisième, c'est le dernier, c'est relatif aux civilisations. Okay? Alors, tout a démarré donc en 1945. L'année 1945 coïncide avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, qui avait démarré en 1939, pour se terminer 6 années plus tard, a opposé deux camps. Le camp des pays alliés, avec à leur tête les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France. Face maintenant au camp qu'on appelle le camp des pays de l'Axe, avec l'Allemagne, l'Italie, le Japon. En 1945 donc, ce conflit se termine sur la victoire des puissances alliées. C'est l'heure maintenant de dresser un bilan. Et par bilan maintenant, on entend 3 types de bilan, ou bien conséquences. Conséquences sur le plan démographique et humain. Et là, s'il y a un mot à retenir, ce serait uniquement le mot hécatombe. Hécatombe qui s'écrit avec H, accent aigu, c'est A-T-O-M-B-E. Une hécatombe qui signifie une catastrophe, un carnage, une boucherie sauvage. La Seconde Guerre mondiale fut qualifiée de catastrophe, ou bien d'hécatombe, pour la simple et unique raison qu'elle aura provoqué la mort de 30 à 50 millions de personnes. À ces victimes directes viennent s'ajouter des blessés, des personnes déplacées, des mutilés de guerre. Okay? Sur le plan économique, matériel et financier, s'il y avait un mot pour résumer la Seconde Guerre mondiale, ce serait sûrement le mot de guerre d'anéantissement. Guerre d'anéantissement ou bien guerre totale. Pourquoi? Parce que l'essentiel des infrastructures européennes fut détruit. À titre d'exemple, l'URSS a perdu 1700 de ses grandes villes. La France, plus de 60 000 km de voies ferrées. Et le Royaume-Uni aussi, plus de 80 000 km de routes. Ensuite, l'économie était réduite à sa plus simple expression. C'est-à-dire, on a vécu des moments très difficiles, comme des pénuries en matière première ou bien en produits de base, comme le développement du marché noir, comme la dévaluation. Mais malgré cela, il y a eu des pays qui ont largement bénéficié de la guerre, des pays comme les États-Unis, comme le Brésil, comme le Canada, comme l'Afrique du Sud, comme la Nouvelle-Zélande ou bien l'Australie.
tous ces pays ont mis sur pied pendant la guerre une économie de guerre exclusivement orientée vers les besoins de la guerre. Ok? Alors, sur le plan maintenant politique et moral, on a assisté à trois éléments fondamentaux. L'Europe entre en déclin, remplacée par ce qu'on appelle l'émergence des deux grands, c'est-à-dire l'URSS et les États-Unis. J'ai l'habitude de dire à ce niveau que durant la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir politique s'est déplacé de l'Atlantique vers le passé, vers le Pacifique. À cela s'ajoute maintenant la naissance du mouvement de décolonisation, c'est-à-dire le processus d'indépendance est enclenché en Asie avant de venir en Afrique. Et enfin, on assiste en 1945 à la naissance de l'Organisation des Nations Unies qui va s'occuper de la paix mondiale. Ensuite, sur le plan moral, on assiste à un choc brutal. L'humanité a voulu comprendre pourquoi une telle sauvagerie. C'est le début de la naissance de la philosophie existentialiste. Les philosophies existentielles, donc, commencent à réfléchir sur le devenir de l'homme. Et après, donc, l'étonnement qui va donner naissance au questionnement, place maintenant aux responsabilités. C'est dans ce sens qu'un tribunal sera organisé à Nuremberg pour juger les criminels nazis. Donc ça, c'est le premier point qu'il faudrait rappeler par rapport au premier chapitre. Le second point ici maintenant, c'est relatif au règlement du conflit. Et par règlement du conflit, il faut noter l'ensemble des mesures qui ont été prises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour asseoir la paix mondiale. Et ces différentes mesures ont été prises lors des conférences qu'on appelle les conférences inter-alliées. Il y en a eu plusieurs, mais nous avons focalisé sur trois conférences principales. La première conférence, elle a eu lieu pratiquement du 28 novembre au 2 décembre 1943, qu'on appelle la conférence de Téhéran. Ensuite, nous avons la conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945. Et enfin, la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945. À l'issue de chacune de ces conférences, un certain nombre d'actes ont été posés et ces actes vont impacter sur la suite des événements. Et enfin, le dernier point maintenant de ce premier chapitre, c'est par rapport à l'avènement de l'ONU. L'ONU qui a été créée en 1945 lors de la conférence de San Francisco, qui est une conférence assez spéciale parce que orientée exclusivement vers la naissance de l'ONU. Là aussi, c'est important de le noter. Ok? Alors, là aussi, on vient de me signaler, tout simplement que, puisque nous sommes en temps de pandémie, il serait bien aussi que les élèves puissent respecter les distanciations physiques, mais aussi porter les masques. Ça aussi, c'est important. Il ne faut jamais l'oublier, n'est-ce pas? Quand on est dans un cadre assez fermé, il est quand même bien de le faire. Surtout pour vous, les candidats, parce que je suis certain que durant les épreuves, on exigera cela de votre part. Alors, même si c'est un peu difficile quand même, mais c'est le seul moyen peut-être de faire face à la pandémie. Donc, il faudrait vraiment faire attention à cela. Donc, comme je le disais, voilà les éléments essentiels qu'il faudrait retenir. En 1945, à la suite de la conférence de San Francisco, l'ONU a été mise sur pied. L'ONU qui signifie Organisation des Nations Unies. Et dès sa naissance, l'ONU a stipulé que tous les peuples ont le droit d'exister par et pour eux-mêmes. Ce qui signifie que l'ONU a condamné la colonisation dès sa naissance. L'ONU aussi avait stipulé que tous les hommes naissent libres et égaux. Là aussi, je pense que c'est fondamental. L'ONU, pour pouvoir fonctionner, va mettre sur pied des organes. Il y en a eu plusieurs. Nous pouvons citer l'Assemblée générale, qui regroupe tous les États membres. Nous pouvons citer aussi le secrétariat exécutif. Nous pouvons citer le Conseil de sécurité. Il y en a d'autres. Et l'organe le plus important ici, c'est naturellement le Conseil de sécurité qui comporte 15 membres, dont 5 membres permanents. C'est-à-dire, ces 5 membres, on ne les change jamais. Depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui 2020,
ces membres sont toujours présents au Conseil de sécurité. Il s'agit de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Russie et bien sûr de la Chine. Ces cinq pays disposent d'un droit qu'on appelle le veto, le droit de veto, c'est-à-dire la possibilité de dire non quand tout le monde dit oui. S'ils ne sont pas d'accord à une décision donnée, cette décision, si importante soit-elle, ne sera jamais appliquée. C'est ce qu'on appelle un veto. Okay? Et enfin, maintenant, c'est l'heure de dresser les bilans maintenant de l'ONU. Et par bilan de l'ONU, maintenant, il y a un mot généralement qu'on retient, c'est-à-dire un bilan mitigé. Mitigé, ça signifie que l'ONU a présenté à la fois un bilan positif et un bilan négatif. Ça dépend maintenant, n'est-ce pas, des éléments de base que vous aurez à convoquer. L'ONU a présenté un bilan positif. Pourquoi? Parce que déjà, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, 2020, la première mission qu'on lui avait donnée, c'est de tout faire pour empêcher l'éclatement d'un troisième conflit mondial. Jusqu'à présent, force est de reconnaître que malgré tous les déboires, malgré tous les problèmes, l'ONU quand même parvient encore à maintenir le cap. Ça, c'est important. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves, à chaque fois que vous entendez à la radio, ou bien à la télé, ou bien au niveau pratiquement des journaux, n'est-ce pas, ou de l'Internet, il faudra retenir que si on vous dit que le monde se prépare à affronter une troisième guerre mondiale, ne vous fatiguez pas. Prenez vos pelles et rendez-vous directement à la cimetière la plus proche. Creusez votre tombe et attendez là-bas la mort, parce que nous allons tous mourir. Ce qui est sûr et certain, si jamais il y a la troisième guerre mondiale, il n'y aurait jamais la quatrième guerre, parce que ce sera la fin de l'humanité sur Terre. Le monde de Valère, il faut qu'il y ait un monde. Donc, l'ONU a le mérite, quand même, d'empêcher jusqu'à ce jour l'éclatement d'un troisième conflit mondial. Ça, c'est un point positif qu'il faudrait saluer. Ensuite, l'ONU a permis aux anciennes colonies d'Asie et d'Afrique d'accéder à leur indépendance. L'ONU a servi de tribune. Donc, toutes les anciennes colonies d'Asie et d'Afrique ont bénéficié du support et de l'apport de l'ONU. Là aussi, c'est un point positif quand même, qu'il ne faudrait pas aucune occulter. Ensuite, l'ONU a mis des organes parallèles. Exemple, l'OMS, Organisation mondiale, n'est-ce pas, de la santé. Exemple, l'OMC. Exemple, le PNUD. Exemple, pratiquement, il y a beaucoup d'organismes quand même qui sont nommés des organismes parallèles. UNICEF, l'UNESCO et tant d'autres qui abattent un travail titanesque sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Donc, il faudrait aussi signaler ce. On peut aussi citer le HCR, le Haut Conseil des commissariats pour les réfugiés, n'est-ce pas? Nous pouvons citer l'UNICIDA, nous pouvons citer le PAM, Programme Alimentaire Mondial. Il y a tellement de structures onusiennes qui jouent un rôle extrêmement important dans la vie des nations. Là aussi, c'est un point positif qu'il faudrait souligner. Et l'ONU, donc, s'est donné des objectifs dès le départ. Promouvoir la paix mondiale, développer la solidarité entre les peuples, essayer de régler les différends entre les peuples. Et je pense que par rapport à ces principaux objectifs quand même, force est de reconnaître que l'ONU est en train de bien les gérer. Donc si on prend en compte la totalité de ces aspects, nous pouvons affirmer que le bilan de l'ONU est largement positif. Cependant, il y a des imperfections. Que voudrait-on? L'œuvre humaine étant imparfaite. Effectivement, l'ONU aussi sera imparfaite. Donc le bilan de l'ONU aussi peut être jugé d'un bilan négatif. Pourquoi? On aura des éléments aussi à convoquer. Déjà, depuis 1948, il y a un conflit qu'on appelle la question palestinienne qui a commencé en 1948. Jusqu'à présent, ce conflit tarde encore à être résolu. Où se trouve l'ONU? Là, c'est un problème. C'est la grande question qu'on se pose. Il y a un conflit qui est là.
et qui ne parvient pas à être résolu, alors que l'ONU est toujours présent. C'est un problème, c'est un handicap. Ok? Le bilan de l'ONU est jugé négatif parce que tout simplement, l'ONU ne dispose pas d'une armée capable d'intervenir à tout moment, surtout en cas d'urgence. C'est-à-dire, s'il y a des conflits où l'ONU doit intervenir, l'ONU est obligée d'attendre l'apport des autres pays. Il faut que les pays acceptent d'abord de donner des soldats à l'ONU, à l'équipe onusienne, ces soldats qu'on appelle les casques bleus, avant maintenant de pouvoir intervenir par le biais d'une résolution. Mais le problème en est que pendant ce temps, les gens continuent à mourir. Pendant ce temps, la guerre continue à faire rage. Donc là, c'est un handicap qu'il faudrait aussi souligner. Le bilan de l'ONU est négatif dans la simple et unique raison que les soldats onusiens qui sont souvent envoyés sur les lieux de conflit, généralement ces soldats sont accusés de tous les maux avec M-A-U-I-X, un mal des mots. Donc ces soldats, on les accuse souvent de viol. Les soldats onusiens, qu'on appelle les casques bleus, il y a des conflits dans lesquels ils sont indexés. On dit qu'ils violent les femmes et les filles. C'est un problème. On les accuse aussi de trafic de tout genre. Trafic de drogue, trafic d'argent, trafic pratiquement de devises, trafic d'or, ou bien même trafic d'organes. On ne sait jamais. Là aussi, c'est un problème. Ensuite, l'ONU n'a pas une indépendance financière. C'est-à-dire, l'ONU fonctionne sur la base des cotisations de ses membres. Mais le constat qu'on a fait, c'est quoi? C'est que la plupart de ses membres ne cotisent pas. Et c'est l'argent des États-Unis qui fait fonctionner la plupart du temps l'ONU. Et il y a le professeur qui dit qu'on a voulu bonne, faut qu'on ait. Donc, si c'est l'argent des États-Unis qui fait fonctionner l'ONU, naturellement, les États-Unis vont faire de l'ONU ce qu'ils veulent. C'est pourquoi toutes les résolutions qui sont votées aux Nations Unies, si ces résolutions n'arrangent pas les États-Unis, pratiquement, ces résolutions ne seront jamais appliquées. Là aussi, c'est un handicap qu'il faudrait convoquer par rapport au bilan négatif de l'ONU. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ONU a des réformes à faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Conseil de sécurité qui comporte 15 pays membres, dont 5 membres permanents. Vous savez bien que le monde de 1945 est différent du monde de 2020. Beaucoup de choses ont changé. On ne peut pas comprendre que l'Afrique, ce continent qui comporte plus de 50 États, 53 États sont des États membres de l'ONU, on ne peut pas comprendre que l'Afrique ne soit pas représentée au Conseil de sécurité. Ce n'est pas normal. Il faudrait changer cela. On ne peut pas comprendre le monde musulman qui regroupe aujourd'hui plus de 1,8 milliard de fidèles, que le monde d'aucun pays musulman n'est représenté au Conseil de sécurité. C'est une aberration. Donc, il faudrait réformer l'ONU, changer l'ONU. Voilà donc quelques éléments, chers élèves, que vous pourrez peut-être convoquer dans un sujet pour montrer que le bilan de l'ONU est un bilan à la fois positif et à la fois négatif. Voilà donc l'essentiel qu'il faudrait retenir, n'est-ce pas, par rapport donc au premier cours que nous avons appelé dans le programme les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les règlements du conflit. Ce qui nous amène maintenant aux relations espèces. Généralement, beaucoup d'élèves rencontrent des difficultés par rapport à ce chapitre, qui est un chapitre très vaste, qui est un chapitre très compliqué, enfin, où il y a beaucoup de ramifications. Mais moi, je dis souvent aux élèves que ce chapitre comporte généralement 4 ou bien 5 sous-parties. Elle va, la leçon, de 1947 à 1990, aux années 1990. Si vous faites le calcul, vous aurez au total 45 années d'événements, plus importants les uns aux autres. Mais nous la divisons en 5 sous-parties. La première sous-partie, elle va de 1947 à 1953. Et on l'appelle généralement la guerre froide.
proprement dite. La seconde, elle va de 53 à 62 et elle est plus connue sous le nom de coïncidence pacifique. La troisième, de 62 à 75, on l'appelle généralement la détente. La quatrième, de 1975 à 1985, et on l'appelle la guerre fraîche ou bien la nouvelle guerre froide. Et enfin, la toute dernière, qui est la plus courte, mais l'une des plus importantes, qui va de 1985 à 1990-91, on l'appelle la fin de la bipolarité. Si l'élève arrive à comprendre cela, l'essentiel, je pense qu'il aura compris la totalité du cours. Chacune de ces sous-périodes maintenant va comporter trois éléments essentiels. Les facteurs ou bien causes ou bien origines, les manifestations et les limites ou bien crises. Facteurs causes, quelles sont les origines? Manifestations, limites ou bien crises, quelles sont les crises, n'est-ce pas, qui ont eu lieu durant cette période. Okay? La première chose maintenant qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est quoi la guerre froide? La guerre froide est rien d'autre que la période de confrontation entre deux superpuissances qui sont sorties largement vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS. Cette compétition maintenant touche tous les secteurs, l'économie, la diplomatie, la politique intérieure, la course aux armements. Mais ce n'est pas une confrontation directe, c'est une confrontation par pays intermédiaire. C'est-à-dire, ce sont les autres qui vont se battre à la place des deux grands. Mais toutes les crises qui vont avoir lieu dans le monde, il y aura toujours la main des deux grands derrière. Quelles sont les origines maintenant de cette guerre froide? Il y en a eu plusieurs, mais nous allons nous focaliser sur trois causes fondamentales. La première, c'est l'éclatement de la Grande Alliance. Je le disais tout à l'heure, que durant la guerre, il y a eu deux camps qui s'opposaient. Le camp des pays alliés, avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et pratiquement l'URSS. Okay? Face maintenant aux pays alliés, aux pays de l'Axe, avec l'Allemagne, le Japon, l'Italie. En 1945, la guerre se termine avec la victoire des pays alliés. Mais, du coup, cette alliance va tout simplement éclater. Et avec l'éclatement de la Grande Alliance maintenant, bonjour les problèmes. Donc, les quatre pays membres du camp des alliés n'ont plus la possibilité de se regrouper pour discuter. Et à chaque fois qu'il n'y a pas de discute, il n'y a plus de dialogue, les problèmes vont surgir naturellement. Même dans nos maisons, donc c'est ce qu'il faudrait comprendre par là. Donc la fin de la Grande Alliance qui fait que les pays alliés n'ont plus de cadre pour pouvoir discuter, pour pouvoir dialoguer. Ça c'est un. Le deuxième facteur qu'il faudrait retenir aussi, c'est pratiquement la montée de la méfiance. C'est-à-dire, les deux grands commencent à s'accuser mutuellement. C'est important. Et on va pratiquement rappeler la conférence, surtout la conférence de Yalta. Durant ces conférences, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de décisions furent prises. À titre d'exemple, l'URSS avait pris l'engagement d'organiser des élections libres et transparentes sur tous les pays libérés par son armée. C'est ce qu'on appelle la charte sur l'Europe libérée. Ok? C'était l'engagement qu'avait pris l'URSS. En 1945, on remarque que des élections furent organisées, mais elles n'étaient pas transparentes. En plus, l'URSS va même profiter de ces élections pour instaurer des régimes communistes. Alors les États-Unis donc vont accuser l'URSS de n'avoir pas respecté sa part du contrat. Depuis que les gens ont encore de quoi faire, les gens ont dit mais de flou. Ok? Ensuite, l'URSS aussi à son tour va accuser les États-Unis de n'avoir pas respecté aussi sa part du contrat.
Les États-Unis aussi avaient pris l'engagement toujours à Yalta, parce que vous vous rappelez, on avait divisé l'Allemagne et Berlin en 4 zones d'occupation. Une zone française, une zone britannique, une zone américaine, une zone soviétique. Mais on a noté que les États-Unis vont regrouper leurs 3 zones pour en faire une seule zone. Donc ils n'ont pas aussi respecté leur part. Ensuite, on devait lutter contre la puissance militaire et économique allemande. Mais on a remarqué que les États-Unis vont mettre sur pied aussi ce qu'on appelle pratiquement un nouveau statut pour l'Allemagne. Mais aussi, ils vont créer une nouvelle monnaie qui s'appelle la Deutsche Mark. Donc, les États-Unis sont en train de reconstruire la grande Allemagne. Là aussi, ils n'ont pas respecté leur part du contrat. Et du coup, d'accusation en accusation, on va vers la rupture. Et la rupture, elle interviendra en 1947 avec la doctrine Truman, à laquelle va répondre la doctrine Ida-Ivanov. Donc, c'est l'éclatement de la guerre. Ok, donc les facteurs essentiels qu'il faut retenir sont vraiment au nombre de trois. D'abord la fin de la Grande Alliance, ensuite la montée de la méfiance et enfin la rupture. Ok, alors cette réforme maintenant, elle se manifeste à travers des crises. Et la première période que nous avons dit tout à l'heure, elle va de 1947 à 1953. Ok, et là maintenant, il y a plusieurs crises. Naturellement, la guerre froide est née en Europe. Les premières crises vont avoir lieu en Europe. Alors, ici, maintenant, j'ai l'habitude de dire aux élèves que l'enseignant a la liberté de choisir. Enseigner, c'est choisir. Il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, à pouvoir convoquer. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, vous pouvez avoir des collègues où les leçons vont se différencier. Parfois. Par exemple, on peut, quelqu'un, un collègue, peut dans son cours convoquer, par exemple, la guerre civile en Espagne, ou bien la guerre de Grèce, la guerre civile en Grèce, qui sont des conflits de la guerre froide. D'autres peuvent convoquer d'autres crises, mais l'essentiel c'est d'être dans la même période, de 1947 à 1953. Ok? Et là, moi j'ai l'habitude d'insister sur la crise qui s'est passée à Prague, ce qu'on appelle le coup de Prague. Le coup de Prague, pourquoi? Parce que l'armée rouge avait organisé des élections libres et les Tchécoslovaques avaient choisi un président qui s'appelait le président Beneš, démocratiquement élu. Et quand les États-Unis ont lancé le plan Marshall, qui est une enveloppe de 13 milliards de dollars sous forme de dons et de prêts, alors Beneš a tendu la main aux États-Unis. Mais on le rappelle, le plan Marshall fut un cadeau empoisonné, parce que les États-Unis exigeaient tout simplement de la part du bénéficiaire de pouvoir tourner le dos à l'URSS. Donc Beneš a voulu aussi bénéficier de l'argent du plan Marshall, mais en tournant le dos maintenant à l'URSS. Ce qui va provoquer la colère soviétique. Donc, Staline va intervenir donc, dans ce pays en renversant un président qui a été élu pour le remplacer par un de ses hommes du nom de Gottwald. Alors, c'est ce coup de force qu'on appelle généralement le coup de Prague, dénoncé par les Irans. C'est-à-dire, c'est la première crise donc, de la guerre froide. Pourquoi moi je choisis le coup de Prague? Parce que c'est le coup de Prague qui va expliquer la deuxième crise qui aura lieu à Berlin, qu'on appelle la première crise de Berlin, ou bien le blocus de Berlin. Donc c'est une réaction américaine vis-à-vis de Prague. On a le montant pour choisir. Mais il y a d'autres qui pourraient choisir d'autres crises. Et pour que tu fais aussi, et ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que enseigner, c'est choix. C'est choisir. Ok? Alors, la deuxième crise donc, elle aura lieu à Berlin. Les États-Unis vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, regrouper leurs 3 zones pour en faire une seule. Ils vont doter l'Allemagne d'un statut politique. Ils vont créer une nouvelle monnaie qui s'appelle la Deutsche Mark. Et l'URSS va réagir aussi en bloquant toutes les voies menant vers les quartiers de Berlin-Ouest. C'est ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Ok? Et après 11 mois d'existence, le blocus sera levé, comme vous le savez dans le cours, n'est-ce pas? Mais au moins,
il aura comme résultat de diviser Berlin et l'Allemagne en deux. La République fédérale d'Allemagne, qui est capitaliste, la République démocratique allemande, qui est communiste. Ok? Ensuite, la guerre froide va se déplacer maintenant en Asie. Et là, on aura aussi deux crises. D'abord, la guerre civile en Chine. En 1945, après la capitulation nippone japonaise, donc, les deux frères ennemis, à savoir le PCC, Parti communiste chinois, et le Kuomintang, vont reprendre les hostilités. Mais ce conflit entre dans le cadre des relations Est-Ouest. Donc, c'est une guerre idéologique. Et cette guerre idéologique termine en 1949 par la victoire des communistes avec l'arrivée de Mao au pouvoir. Ensuite, en 1950, la Corée du Nord va attaquer le Sud pour instaurer un régime communiste. Mais les États-Unis vont intervenir par le biais du drapeau ONU. Et en 1953, par les accords de Panmunjom, ce conflit aussi va se terminer sur la division du pays en deux. La Corée du Nord, la Corée du Sud. Donc vous voyez, partout où la guerre froide va passer, elle va diviser le pays en deux. La guerre froide a divisé l'Allemagne et Berlin en deux. Berlin Est, Berlin Ouest. La RFA, la RDA. La guerre froide va diviser la Chine en deux. La République populaire de Chine, communiste. La République de Chine, ou Taïwan, capitaliste. Et la guerre froide va diviser aussi la Corée en deux. La Corée du Nord, communiste. La Corée du Sud, capitaliste. Ok? Vers la fin maintenant des années 1952-53, on entre dans la seconde période qu'on appelle la coexistence pacifique. La CP signifie l'acceptation de l'autre dans la différence. C'est-à-dire les deux grands vont s'accepter mutuellement. C'est la période de dialogue, la période d'ouverture. Quelles sont les origines du bienfaiteur? Il y en a eu plusieurs éléments. Nous pouvons en retenir certains. En 1953, déjà, on assiste à la mort de Staline remplacé par Khrushchev. Aux États-Unis aussi, on assiste à l'arrivée de Eisenhower. Donc, le premier élément qu'il faudrait convoquer ici, c'est l'arrivée de nouvelles têtes à la nouvelle diplomatie à la tête de deux pays. Ensuite, il y a eu des difficultés économiques d'un côté comme de l'autre. Donc, cela va pousser donc les deux pays à avoir une nouvelle stratégie. Ensuite, sur le plan international, le monde cesse d'être bipolaire pour devenir multipolaire. C'est-à-dire, on assiste à la naissance d'un troisième pôle qu'on appelle les pays non alignés. Il s'agit des pays du tiers-monde, nouvellement indépendants, qui ont décidé de ne se ranger ni derrière les États-Unis, ni derrière l'URSS. Donc, ils préfèrent garder la neutralité, ce qu'on appelle les pays non alignés. Ok? Ensuite, à l'intérieur de chaque bloc, on note des fissurations, c'est-à-dire les blocs ne sont plus soudés. Au bloc de l'Ouest, on remarque que la France a tourné le dos aux États-Unis. Au bloc de l'Est aussi, on note que la Chine a tourné le dos à l'URSS. Mais le facteur essentiel qu'il ne faudrait jamais oublier, c'est l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire les deux grands possèdent maintenant des bombes, des armes nucléaires extrêmement dangereuses et qui pourraient nuire à l'autre. D'où maintenant l'importance d'instaurer une période de déjeun ou bien de dialogue. Alors comment elle se manifeste la CP? Contrairement à la première période qui s'est manifestée par des crises, la CP se manifeste à travers des actes concrets menant vers la paix. Il faut que nous sachions aussi. Première période, nous avons une crise de la crise. Mais deuxième période, nous avons une crise de l'action qui nous a menée vers la paix. Parce que nous avons une crise. Nous avons une crise, nous avons une crise, nous avons une crise, nous avons une crise. Ça c'est sûr. Okay? Donc la deuxième sous-période qu'on appelle la CP va se manifester par des actes concrets menant vers la paix. Exemple, l'URSS accepte de retirer ses troupes dans l'Est autrichien. Un autre exemple, par exemple, la guerre de Corée
qui avait éclaté en 1953, va trouver une solution le 28 juillet 1953 maintenant par les accords de Panmunjom. La guerre d'Indochine qui avait démarré en 1946 sera résolue aussi en 1954 par les accords de Genève. Ensuite, Nikita Khrouchtchev va se déplacer aux États-Unis pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, voilà des actions concrètes qui montrent que les deux grands sont dans une période de dialogue. Mais la coexistence pacifique ne signifie pas l'arrêt des hostilités. Et c'est là maintenant où se trouvent les crises ou bien les limites de la CP. Et parmi les crises maintenant qui sont déroulées dans cette période qu'on appelle la coexistence pacifique, nous allons en retenir deux. La première crise va encore avoir lieu à Berlin. Et on appelle ça la deuxième crise de Berlin ou bien la construction du mur de Berlin. C'est important pour les élèves de rappeler cela. Il y a eu deux crises importantes en Allemagne, à Berlin. La première a eu lieu entre 1947-1953, c'est la période qu'on appelle la guerre franco-allemande. Et la deuxième maintenant, elle intervient dans la deuxième sous-période qu'on appelle la CP. Vous l'avez dit, on est beaucoup. La première, on appelle le blocus de Berlin. La deuxième, on appelle la construction du mur de Berlin. Et cette construction du mur de Berlin va provoquer la colère des États-Unis. Le président américain, Kennedy, va se déplacer au long de ce mur pour lancer son célèbre discours. « Ich bin ein Berliner », comme pour dire « Je suis un Berlinois », pour apporter son soutien aux populations qui ne peuvent plus se déplacer. Pourquoi? Parce que fermé par le mur. Mais l'autre crise majeure va avoir lieu aux portes des États-Unis. On appelle ça la crise des fusées de Cuba. Et durant cette crise, le monde était à un doigt de l'éclatement d'un troisième conflit mondial. Heureusement, après la médiation onusienne, les deux parties vont retourner aux tables de négociation. Okay? Ce qui va maintenant nous pousser à la troisième sous-période qu'on appelle la détente. La détente ressemble un peu à la CP. C'est une période de dialogue. Pour la guerre froide, on a une fluctuation de tension et de détente. Mon ami qui a fait bien des gens le courbe voit comme ça, courbe parfois vieille, parfois boite. Beaucoup de vieille, nous sommes dans une période de crise. Beaucoup de boite, nous sommes dans une période de dialogue, de pause, de déjeuner. Ok? La première période qu'on appelle la guerre propagandine, on assiste à la croissance de la courbe. La courbe est ascendante. Ok? Automatiquement après, maintenant, la courbe amorce sa chute. Donc on a la période de jeunes. Il faut qu'on ait un peu de temps. Quand on a une période de temps, il y a de temps jusqu'à la fin. Vous voyez, il y a une crise, vous voyez, il y a une dialogue. Ok? Donc, après la fusée, la crise des fusées de Cuba, le monde entre à nouveau dans une période de pause, de dialogue. C'est cette période qu'on appelle par la détente. Et cette détente maintenant se manifeste comme la CP par des actes concrets menant vers la paix. Le premier acte à être posé ici, on appelle l'installation du téléphone rouge. Les deux présidents vont mettre sur pied une ligne de communication directe pour pouvoir négocier. On appelle ça le téléphone rouge. Et j'ai l'habitude de dire à mes élèves serreurs, parce que moi je taquine tout le temps les serreurs, en leur disant que ce n'est pas la couleur du téléphone qui est important. Maintenant, vous voulez que nous ne connaissons pas que le téléphone rouge, on a installé une ligne de communication entre les deux présents, de telle sorte que s'il y a des difficultés, les deux vont se discuter directement, doivent intervenir. Ça facilite la communication. Et on a conscience, souvent en Amérique, du vois rien. Ça beaucoup en Amérique, c'est parce qu'on a compris. Ok? Et l'ONU a compris cela. Si vous allez au siège des Nations Unies, on l'a écrit. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faudrait élever les murs de la paix. Comme une guerre, qui t'a voulu commencer? Ouais, qui t'a voulu guerre?
Donc, la communication, elle est fondamentale. OK? Ensuite, c'est la période des grands accords. Les États-Unis et l'URSS vont signer de nombreux accords. Accords commerciaux, accords nucléaires. Nous pouvons en citer quelques-uns. En 1963, ils ont signé les accords de Moscou. En 1968, ils ont signé les accords d'Helsinki. En 1972, ils ont signé les accords de Sault 1 et Sault 2. Et c'est important. Donc, il y a vraiment la volonté de dialogue des deux. À cela s'ajoute, on assiste à cela aussi, un autre rapprochement entre les deux Allemagnes. La RFA et la RDA vont se reconnaître mutuellement et vont devenir membres des Nations Unies en 1973. Okay? Mais vers le milieu de cette année ou de cette année aussi, vers le milieu des années 70, on retourne aux périodes des tensions, cette fois-ci qu'on appelle par la guerre fraîche. Ce sont les mêmes éléments qui avaient expliqué la guerre froide, ce sont les mêmes éléments qui vont expliquer encore la guerre fraîche. Sur le plan politique, par exemple, les États-Unis rencontrent des problèmes avec le scandale du Watergate qui va provoquer la démission du président américain Nixon. Sur le plan social, les États-Unis sont confrontés à la question de la ségrégation raciale. Sur le plan diplomatique, les États-Unis aussi rencontrent des problèmes en Iran avec l'ambassade américaine qui a été prise en otage par des étudiants islamistes. Et sur le plan militaire maintenant, les États-Unis sont engourbés dans un autre conflit qu'on appelle la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam. Et l'URSS va profiter de cette période pour avancer ses pions en Asie, en Amérique et en Afrique. Il faut retenir cette leçon, n'est-ce pas? Donc le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Okay. Alors, c'est dans cette atmosphère maintenant que le nouveau président, qu'on appelle Ronald Reagan, va venir au pouvoir et va lancer à la France du monde que America is back, les États-Unis sont de retour. Et c'est la nouvelle course aux armes. Il va lancer d'abord ce qu'on appelle IDS, l'initiative de défense stratégique, ou bien la guerre des étoiles. C'est une nouvelle course aux armes. Alors, vers le milieu maintenant des années 1980, en URSS va venir un homme qu'on appelle Mikhail Gorbatchev, qui va trouver un pays complètement en lambeaux à cause de la course aux armes. Il va donc décider de changer la politique soviétique. Il va lancer donc deux éléments fondamentaux. Le premier, la perestroïka, qui signifie restructuration. Le deuxième, la glasnost, qui signifie clarté. Malheureusement pour eux, pour lui, les choix escomptés n'auront pas des fruits, n'est-ce pas, donc probants. Et c'est dans cette atmosphère que les républiques soviétiques vont donc proclamer leur indépendance une à une, du coup provoquant donc la chute du communisme en 1989. Donc la guerre froide se termine sur ces éléments avec la victoire du capitalisme sur le communisme des États-Unis sur l'URSS. Parallèlement à cela, on assiste aussi à la chute du mur de Berlin. L'Allemagne s'est réunifiée pour former la grande Allemagne que l'on connaît aujourd'hui. Voilà donc les éléments fondamentaux qu'il faudrait aussi retenir par rapport à cette leçon. Maintenant, je rappelle qu'il ne s'agit pas de revenir, comme je l'ai dit au début, sur la totalité de la leçon. Tout à l'heure, on fera une liste d'application pour vous montrer quels sont les éléments dont vous aurez besoin pour aborder un sujet. Ok? Alors, ensuite, on va revenir sur le thème des décolonisations. Le mot décolonisation, donc, vient du verbe décoloniser, qui signifie tout simplement rendre indépendant. Ok? La décolonisation n'est rien d'autre que le processus d'indépendance des anciennes colonies d'Asie et d'Afrique. Ce processus est né en Asie d'abord, avant de venir en Afrique. Et elle est née dans la période qu'on appelle la période de l'entre-deux-guerres mondiales, après la première guerre, avant le début de la seconde guerre. Mais il s'est accéléré juste au lendemain de la seconde guerre. Alors, ce processus s'explique par plusieurs facteurs, donc les causes.
Dans le cours, vous avez vu, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la négociation. On les a regroupés en deux types de facteurs. Des facteurs qu'on appelle les facteurs internes et d'autres facteurs qu'on appelle les facteurs externes. Les facteurs internes relèvent de la marche des colonies elles-mêmes. Les facteurs externes dépendent maintenant des relations internationales. Parmi les facteurs internes, nous pouvons retenir la soif de justice. Les pays colonisés ont soif de justice. Pourquoi? Parce que la colonisation a été une période très difficile, avec des brimades, avec des humiliations, avec des internements, avec des travaux forcés. Donc en 1945, la guerre est terminée. Les anciennes colonies, d'anciennes colonies d'Asie et d'Afrique, réclament donc tout simplement leur indépendance. Ça, c'est un. Ensuite, l'autre élément aussi qu'il faut retenir par rapport aux facteurs internes, c'est le rôle des intellectuels, l'élite intellectuelle locale. Vous savez, un intellectuel, il a une mission régalienne de sauver sa communauté. Les premiers intellectuels furent formés à l'école occidentale, où ils ont appris les idéaux de paix, de démocratie, de respect des droits de l'homme. Une fois de retour chez eux, ils vont prendre conscience de leur sort et ils vont créer des partis politiques, des syndicats, des mouvements d'indépendance, des associations d'étudiants. Donc, ces différents éléments vont jouer un rôle important dans la marche vers l'indépendance. Il y a aussi un autre élément, l'émergence du tiers-monde. Le tiers-monde qui regroupe donc tous les pays nouvellement indépendants, on retrouve en Asie et en Afrique. Donc le tiers-monde va servir de base pour les anciennes colonies d'Afrique aussi de pouvoir retrouver leur indépendance. Parmi les facteurs externes, il y a d'abord l'influence de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, en 1945, l'Europe est en déclin. L'Europe n'a plus les moyens d'imposer quoi que ce soit. Donc, et l'Europe avait donné l'engagement aux anciennes colonies de leur remettre leur indépendance une fois la guerre terminée. La guerre est terminée, il faudrait donc respecter sa part. Ensuite, durant la guerre, les anciennes colonies d'Asie et d'Afrique ont vraiment remarqué, ont compris la véritable nature de l'homme blanc. Contrairement à ce qu'on pensait, l'homme blanc n'était plus invincible. C'est-à-dire, on pensait que l'homme blanc était un dieu. Mais quand on est parti à la guerre, on a compris que cet homme-là n'est rien d'autre qu'un homme comme nous-mêmes. Okay? Donc la chute du mythe de l'homme blanc, ça va impacter aussi dans le processus d'indépendance. L'autre élément qu'il faudrait retenir, c'est l'anticolonialisme des deux grands. Les États-Unis et l'URSS ont condamné donc la colonisation. Pour des raisons différentes, bien sûr. Les États-Unis, pour avoir été colonisés dans le passé, sont sensibles à la question coloniale. L'URSS, par simple souci idéologique, l'URSS considère donc l'impérialisme comme étant une conséquence du capitalisme. Donc c'est important. Et enfin, parmi les facteurs externes aussi, il faut retenir la naissance de l'ONU qui a condamné la colonisation et l'influence de la guerre froide. Alors, cette négociation, maintenant, s'est déroulée de plusieurs manières. Soit par la voie pacifique, soit par la voie violente, la voie des armes. Donc, certains pays vont obtenir leur indépendance à la suite de négociations. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas des anciennes colonies françaises, comme le cas du Sénégal, n'est-ce pas? D'autres vont être obligés de prendre des armes. C'est le cas de l'Indochine. C'est le cas des anciennes colonies portugaises d'Afrique, le cas de la Guinée-Bissau, de l'Angola. Okay? Donc c'est important, soit c'est par la négociation, soit c'est par les armes. Okay? Donc l'autre chapitre qui vient, la négociation en Asie, sera une application de ce chapitre. La négociation est née en Asie, normalement, donc on va d'abord voir l'Asie. Et l'Asie, on a vu deux exemples. L'Inde, négociation pacifique, l'Indochine, négociation violente.
Pourquoi l'indépendance s'est-elle déroulée dans certaines collines de manière pacifique, alors que dans d'autres, il y a eu, n'est-ce pas, donc l'usage des armes. Il y a plusieurs éléments aussi qu'il faudrait convoquer ici. D'abord, dans certaines colonies, il y a la culture de la paix qui est ancienne, la culture démocratique qui est ancienne. Donc dans ces pays, le dialogue remonte à des siècles. Mais aussi, il y a l'absence d'intérêt économique majeur. Donc, s'il y a des intérêts économiques majeurs, quand même, la métropole ne voudrait pas céder la place. Et bonjour donc les difficultés. C'est ce qui s'est passé donc en Indochine, c'est ce qui s'est passé en Algérie avec la France. La France qui considérait l'Algérie comme étant un territoire donc interne, un territoire d'outre-mer, un département d'outre-mer. Donc, les Français qui sont nés en Algérie, que nous avons appelé dans le cours les pieds noirs, considèrent l'Algérie comme étant leur patrie. Donc, pour rien au monde, ils ne sont prêts à partir. Et les Algériens aussi, qui sont victimes d'un système colonial très inégalitaire, parce que les meilleures terres appartenaient aux pieds noirs. Sur le plan économique aussi, les meilleurs postes sur le plan administratif revenaient aux pieds noirs. Et les populations locales vivaient dans la misère. À titre d'exemple, seuls 10% des enfants arabo-musulmans avaient la possibilité d'accéder à l'école. Pendant ce temps, 100% des enfants des pieds noirs étaient scolarisés. C'est un problème. Et ça va pousser donc les Algériens aussi à se regrouper, à fonder des partis politiques, des mouvements d'indépendance pour réclamer aussi leur indépendance. Okay? Dans chaque maintenant pays, il y a donc un mouvement d'indépendance ou bien des partis politiques qui vont mener le combat. En Algérie, nous avons le FLN, le Front de Libération Nationale. Maintenant, ce qu'on attend de vous, c'est que pour chaque pays, il faudrait au moins retenir le mouvement d'indépendance dans ce pays-là. On ne peut pas parler de l'Algérie sans convoquer le FLN, le Front de Libération Nationale. Donc, vous allez savoir ce que la signification du sigle FLN, Front de Libération Nationale. Vous devez aussi, pour chaque pays, au moins convoquer l'un des leaders, parce qu'il y a des leaders charismatiques pour chaque pays. Pour chaque pays. Pour le cas de l'Inde, on ne peut pas ne pas connaître Gandhi. Il faut qu'on connaisse Gandhi, il faut qu'on connaisse Nehru, il faut qu'on connaisse Mohamed Ali Jinnah. Parce que ce sont ces trois qui vont tout simplement mener le combat de l'indépendance de l'Inde. Pour le cas de l'Indochine aussi, l'élève ne doit pas ignorer Ho Chi Minh et le Viet Minh. Il faut qu'on connaisse Ho Chi Minh, il faut qu'on connaisse retenir au moins deux événements importants. Parce que les consignes qu'on vous donnera, ce sont des consignes qui sont précises. On en reviendra tout à l'heure. Okay? Pour le cas de l'Afrique maintenant, du Sénégal, il faudra au moins retenir des noms comme Léopold Senghor, Terrance Senghor, Lamine Gueye, Mamadou Dia, et j'en passe. Soit, donc c'est important. Donc voilà. Ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, par le biais du mouvement donc des décolonisations. Ce qui nous amène donc au second point de cette leçon, de ce rappel, c'est-à-dire le rappel en géographie. Et en géographie, maintenant, je voudrais quand même revenir sur trois éléments. Le premier élément, ce sera par rapport au système monde, à l'organisation du système monde. Okay? C'est-à-dire, c'est la première leçon. Le système monde, des espaces interdépendants. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que le monde actuel fonctionne comme un ensemble, comme un tout, un ensemble cohérent, comme un village planétaire. Et ce système maintenant fonctionne autour d'un centre. Il y a des régions qu'on appelle le centre dominant. Et si...